Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour accueillir Sébastien Dubinsky ce soir et Franck-Olivier Laferrère, donc des éditions Effraction. En termes de présentation, ça va être une soirée très courte, enfin extrêmement conviviale comme d'habitude, mais on ne va pas beaucoup présenter. La plupart d'entre vous connaissent très bien Sébastien, il est déjà venu plusieurs fois chez Caribd. Donc beaucoup savent pourquoi on adore ce qu'il fait. Donc, je vais quand même en dire quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Sébastien est un auteur assez prolifique qui écrit des choses souvent assez différentes les unes des autres. Donc je vais vous parler seulement moi de mes trois préférés, un peu dans le désordre. Fragment d'une révolution, donc c'est ton troisième roman je crois. Enfin, et... Oui, publié, ouais. C'est très très beau, c'est les souvenirs d'un activiste professionnel, d'un gauchiste retiré au Danemark, curieusement, qui se souvient de ses jeunes années en 1969, quand il faisait en fait le coup de feu avec des révolutionnaires mexicains, lors d'une révolution mexicaine avortée, et qui revient donc vraiment des années plus tard, interrogé par des médias allemands, sur l'époque, donc qu'est-ce qui se passait, et tout. Donc c'est à la fois, il y a toute une nostalgie, il y a toute une lucidité en fait, des dizaines d'années après, quelle est la part de regret, quelle est la part au contraire de choses qu'on ne regrette pas du tout, de quelle façon le monde a changé. Ça évoque beaucoup, à la fois parce que c'est au Mexique et parce que ça parle de révolutionnaires, tout le travail de Paco Ignacio Taibo II, auquel il est en partie dédié. Hein. Et donc c'est vraiment étonnant pour un très beau roman, moi je l'aime beaucoup. Kienes, c'est... Billy the Kid, comme le montre la couverture. Alors, bon, sur Billy the Kid, beaucoup d'entre vous savent, parce qu'ici, on a plein de spécialistes de western. On a raconté plein de choses. Il y a des choses qui ont été inventées, des choses qui lui ont été prêtées. Il y a eu plus de biographes que de gens qui le connaissaient. Et Sébastien a fait un travail assez, je trouve, assez fascinant. C'est d'essayer de trouver des fils conducteurs dans la courte vie de Billy the Kid. Donc, depuis cette espèce de rébellion instinctive, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent rebelle, qui est pas a priori ni un tueur, ni un truc, mais comment il devient, qu'est-ce que lui en pense de son point de vue à lui, et puis au moment de la fin, qui arrive pas très longtemps après, comment tout ça se cristallise, et qu'est-ce qu'il pense, lui, de sa vie. C'est un travail qui n'avait jamais été fait, puisque Billy the Kid est toujours vu de l'extérieur, toujours donc, par des témoins plus ou moins fidèles, plus ou moins baratineurs. Donc là, il y a une tentative de construire quelque chose, hein, parce que évidemment, c'est inventé, mais c'est, ça tient extrêmement... Enfin, c'est très cohérent, c'est très fascinant. Voilà. Je recommande beaucoup ça. Et la trilogie babylonienne, donc, qui est composée de trois nouvelles, mais qui forment vraiment un roman, c'est-à-dire qu'ils sont étroitement connectés, même si la première d'entre elles est beaucoup plus ancienne, hein, était un des premiers écrits. Ah oui. La trilogie babylonienne, il faut imaginer une espèce d'univers, enfin, qui n'est pas à ce point différent d'une autre, hein, mais où il y a des choses qui sont peut-être un peu plus outrées que chez nous. Enfin, la marchandise est un peu plus triomphante, hein, marginalement plus triomphante. De moins en moins. L'écart se réduit. Et les médias ont un rôle peut-être un peu particulier, peut-être un peu plus outré, oui, que ce qu'on constate aujourd'hui, ou que ce qu'on constatait il y a 12-15 ans, quoi, disons plutôt. Et puis, bon, le statut du crime, le statut de l'assassinat, on peut penser à l'exécution de Marc Lehner, a aussi un statut un peu particulier. Enfin, c'est pas quelque chose qui est totalement répréhensible, moyennant certaines conditions de température et de pression. Donc ça crée un univers un peu particulier, qui est très, enfin, très déjanté, très jouissif. Alors il y a tout un côté, enfin, Brunner, tout ça, Zanzibar, tout ce qui est cyberpunk, enfin, qui rôde là-dedans, mais sans qu'il y ait de science-fiction à proprement parler. Hein. C'est vraiment du travail de mise en situation d'une population, d'une société, avec des choses qui sont légèrement extrapolées. Comme bonus, Le Feu au Royaume, c'est, là vous allez voir à chaque page, vous allez croire que l'Innoventura va surgir. Et c'est extrêmement bien fait, parce qu'effectivement, on croit qu'il est là tout le temps. Donc, alors, si on est là pour ce soir, c'est parce qu'il y a des nouveaux textes donc de Sébastien. Donc ça, on va passer en fait sur la deuxième partie, sur Effraction. Donc, Effraction, qui est un éditeur principalement électronique, mais qui n'a pas vocation à être exclusivement électronique. Ouais, mais tu nous en parleras tout à l'heure plus en détail. Moi, je vais juste parler des textes. Donc, celui de Sébastien, c'est deux nouvelles. Alors, ce sont des textes qui sont disponibles en électronique. Donc, vous pouvez les lire en
en EPUB ou en PDF sur vos ordinateurs, ou sur des liseuses, éventuellement, c'est de la liseuse. Alors, ça paraît curieux pour des libraires de parler de liseuses, on en parlera tout à l'heure, autrement, mais pourquoi pas, puisque... voilà, c'est donc... Je te laisserai expliquer le principe. Moi, je vais parler que du texte. Donc, La solitude du baiser de fond est un texte, en fait, assez ancien, enfin, qui a une bonne 2000, dizaine d'années. Les deux sont de 2000, entre 2002 et 2004. D'accord. Et... c'est, en fait, une... Ouais, enfin, le titre, en fait, dit assez ce dont il s'agit. Hein. Il faut imaginer. Donc, en beaucoup plus vulgaire. Ouais, oui, parce que... Tout le travail de dire que c'était pas... Non, mais, parce que je ne suis pas certain, en effet, que ce terme soit employé une seule fois. qui ait une excellente tenue, qui n'utilise pas des mots comme ce titre un peu provocateur. Mm-hmm. Ça doit être du marketing de l'éditeur. Il y avait une raison derrière le titre. De façon plus sérieuse, c'est... voilà, c'est quelqu'un dont le métier, en fait, est un acteur de porno gay qui se réveille le matin aux côtés de son amant qui, lui, ne s'est pas encore vraiment sorti de la zone cabaret prostitution. Mmh. Et donc, c'est une sorte de songerie, en fait, sur le métier, l'amour, la vie, qui est magnifiquement menée, qui est pas du tout faite d'un point de vue, qui est tentant, hein, sur ces sujets, de faire un truc très intellectuel. Au contraire, c'est fait d'une façon très sentimentale, très quotidienne. C'est assez poignant, j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai encore préféré la bataille de Koursk, donc qui, comme je disais tout à l'heure, est une somptueuse analyse de la Deuxième Guerre mondiale du point de vue des soviétiques, en 11 pages. Non, pas du tout. Non, c'est juste un moment, en fait, de lien social étonnant, curieux et en même temps familier, quand on a tous, je pense, touché du doigt à certains moments. Donc il y a un type qui vient de se faire larguer, qui est un peu perdu, donc qui descend à son café du coin pour un peu noyer son chagrin dans une bavette à l'échalote et un verre de Côte-du-Rhône. Et puis comme il est un peu insomniaque vu les circonstances, la veille il a regardé un long documentaire comme en produisait, c'est plus rare maintenant, mais comme à une époque, les dossiers de l'écran notamment. Voilà, et notamment un magnifique documentaire sur la bataille de Koursk, donc le tournant de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, la plus grande bataille de blindés de l'histoire. Donc un magnifique documentaire que je vous encourage à regarder. Mais il se trouve que dans ce café, il y a deux personnes au comptoir, des vieux habitués avec qui, en temps ordinaire, ils n'échangeraient probablement pas une phrase, peut-être un peu de bienveillance, mais pas plus. Et puis là, il y a ce documentaire qui vient dans la conversation et par les blindés à Koursk, il y a un lien social qui se crée. C'est assez incroyable, c'est une sorte de pari et ça fonctionne très très bien. On a l'impression qu'on y était et je trouve ça très beau. Voilà. Alors, ça c'était bon pour Sébastien. Je parlais de quatre autres textes parce qu'il y a déjà 18 ou 19 titres au catalogue de Fraction. Ouais, alors il y a ce qu'on publie et puis il y a les titres des autres éditeurs qu'on numérise et qu'on distribue. Donc ouais, on est à 10, 18, bientôt 19. Dont quelques-uns qu'on connaît déjà bien ici, puisqu'il y a notamment deux titres de chez Kidam. Il y a Irène, Nestor et la vérité, et puis il n'y a rien de Philippe Hanoc qui était épuisé. Donc on, voilà, c'est des. Il y a Catherine Ismail qui est juste là. Ah, voilà. Donc ouais, je vais les prendre un peu dans le désordre. Donc voilà, un auteur qu'on connaît bien dans cette librairie, qui est Olivier Martinelli, qui était venu ici au moment de la sortie de La Nuit ne dure pas. Olivier Martinelli, qui donc est c'est toi, mais c'est pas ça qui est en cause ici. Ça ne joue pas, marginalement. En revanche, c'est quelqu'un qui, dans son roman La Nuit ne dure pas, arrive, comme peu de personnes, surtout en France, à faire sentir ces moments de bascule dans une vie d'adolescent ou de jeune qui s'intéresse au rock et à la musique, et où il y a des événements qui, plus tard, avec du recul, apparaissent un peu comme des épiphanies qui se produisent. Et là, dans cette nouvelle, donc de 15 pages, il en a saisi une. Pour un gamin, c'est pas son premier concert, mais ce sera probablement le concert et l'après-concert dont il se souviendra 20 ans plus tard. Donc là, il le raconte un peu à chaud, c'est beau. Enfin, ça met en jeu les cramps, donc Easy Poison et Intérieur Luxe. Luxe Intérieur. Ouais. Luxe Intérieur. Et donc, il y a tout. Il y a l'essence du rock en 16 pages. C'est vraiment beau. Et l'adolescence aussi. Alors, attends, alors, Franck-Olivier Laferrère, qui en plus d'être éditeur est aussi auteur, donc celui que j'ai lu en dernier. Alors, c'est curieux parce que ce texte, qui est le plus long, hein, des cinq dont je voulais dire un mot, parle de Lorenz d'Arabie.
Il y a un roman qu'on adore dans cette librairie, dont on a déjà parlé, enfin, pas en soirée, mais très régulièrement, qui s'appelle L'Étoile du Matin. Qui est un roman de. Elle va chercher L'Étoile du Matin. Voilà, on l'a vraiment. Donc, L'Étoile du Matin avec Lorenz Arabi sur la couverture. Non mais c'est important pour nous parce que si chez nous on s'appelle Caribe de 1, Caribe de 2, Caribe de 3, Caribe de 4, Caribe de 16, c'est à cause des Wooming. C'est en hommage à leur collectif. Wooming le troll. Et Wooming 4 en fait se trouve être, quand il n'écrit pas dans le cadre du collectif Wooming, c'est avant tout un spécialiste de Tolkien. Il vient de sortir un livre extraordinaire sur Tolkien en Italie, qui n'est pas traduit, qui est même pas traduit en anglais pour l'instant, mais ça viendra. Et L'Étoile du Matin, c'est on prend Lorenz d'Arabie juste au moment de la désillusion, c'est-à-dire que il vient de mener la révolte arabe contre les Turcs, comme un guérillero infiltré derrière les lignes. Il a eu une autonomie maximale et au départ il était lieutenant, il finit en fait avec un colonel, mais avec l'équivalent d'un pouvoir de général, voire plus. Il est respecté par toutes les tribus arabes. Il s'est engagé à plein de choses en ayant eu l'autorisation de s'engager par ses supérieurs du Foreign Office et du ministère de la guerre anglais. Et puis bon, la guerre est finie, les Turcs sont battus et tout ça va un peu passer à la poubelle. Donc il va y avoir trahison sur trahison. Et quand il rentre à Londres, disons que le brave homme est un peu dégoûté, quoi. Et donc, Wooming le chope au moment où il revient à Oxford, parce qu'il est archéologue de formation, Lorenz d'Arabie, c'est un universitaire, qui est devenu militaire un peu comme ça sur le tas. Par la cartographie en plus. Ah, oui. Et vraiment parce qu'il connaissait le terrain à cause des fouilles, à cause de l'archéologie. Et donc, dans L'Étoile du Matin, il rencontre, et c'est un moment pour lui très important, il rencontre en fait trois personnes qui seront pas du tout clés pour lui, ça n'aura aucune importance, mais lui sera clé pour elle, qui sont Tolkien, C.S. Lewis, donc deux écrivains de fantasy monumentaux, probablement les deux plus grands qu'ait produit le monde anglophone, et puis Robert Graves, donc à la fois poète et spécialiste de la mythologie grecque, et qui sont à ce moment-là, qui rentrent eux aussi traumatisés en fait par la Somme, par ceux qui sont morts dans la boue des Flandres, etc. Et Lorenz d'Arabie s'en remettra jamais en fait de ça, donc c'est quelqu'un qui va devenir une star, c'est une des premières stars du XXe siècle, parce qu'il va avoir un agent qui est un journaliste et publicitaire américain qui va faire un travail vraiment de vente de ses mémoires, donc des Sept Piliers de la Sagesse, comme un best-seller d'aujourd'hui, quoi, avec des TG à la FNAC. Et donc, Lorenz d'Arabie, peu après, démissionne de l'armée, il se réengage comme simple mécanicien. Et on l'attrape 18 ans plus tard. Donc, à un moment... où il continue à se battre avec ses démons, avec ses déceptions, avec ce qui aurait pu être, ce qui n'a pas été. C'est très poignant parce que c'est un type qui à la fois est très intelligent, sans être un intellectuel. C'est quelqu'un qui est tout dans l'action, enfin qui l'a été. Et puis donc il se bat avec un peu un autre lui-même sur pourquoi, comment il en est arrivé là. On est en 1935. Et puis bon, on le sait parce qu'il suffit de savoir, il va mourir juste après, quoi. Là, c'est ses derniers instants, quoi, en fait. Donc et il se bat effectivement, comme le titre l'indique, contre un corps en lui qui veut faire quelque chose différemment. C'est un livre qui, enfin, je pense, c'est un livre. Il y a 38 pages. Hein. Ça se lit plusieurs fois parce que c'est dense. Hein. C'est très beau. Voilà. Carole Zalberg, qui est là, oui. faire passer. Donc ça, c'est le genre de nouvelle. Alors, j'ai appris qu'au moment où tu l'as écrit, tu ne savais pas du tout que l'Espagne décidait de prendre 30 ans de retard. Donc, bon, c'est un texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça se lit, c'est brutal, évidemment. C'est sur l'avortement. C'est un texte court qui est comme un choc, qui est écrit de façon très, très... rentre dedans, mais pour que ça tape. Et clairement, ça rappelle qu'à chaque fois qu'on croit qu'une avancée, elle est là pour l'éternité, ben non, en fait, pas du tout. Et qu'il faut, en fait, le combat continue. Et ça rappelle de façon très forte que ces combats, c'est pas des questions de confort. Non, c'est souvent des enjeux vitaux. Qui touchent les femmes, bien entendu, dans leur chair. Et qu'ignorer ça, en fait, et faire cette espèce de travail de rétro-conservatisme patelin, comme on y a droit en ce moment, enfin, c'est juste insupportable. Je peux juste dire deux mots sur les circonstances dans lesquelles j'ai écrit ce texte. C'était il y a quelques années, et au départ, c'était pour un projet de recueil d'Uchronie.
Et on commençait à entendre parler de ce fameux débat sur le statut du fœtus, est-ce que c'est une personne ou... Donc on voyait bien que ça allait être remis en question, mais un peu par la bande. Et du coup, dans la première version de cette nouvelle, j'imaginais qu'il n'y avait jamais eu la loi Veil et que l'avortement était interdit en France. Restait donc voilà, clandestin, illégal. On y est presque. Ouais, avec l'Espagne. C'est ce qu'on t'a répondu au départ, quand, après la lecture. On aurait préféré que ce soit un hommage à Veil et à Giroud. Quoi, hein, c'était le... Et pas un texte d'actualité. Mais sur le coup, c'était pas encore un texte d'actualité. Oui, en plus, oui, c'est vrai que quand tu m'as proposé de participer à cette collection, on n'y était pas encore tout à fait. Non. Donc la présomption d'opportunisme est levée. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu comme ça que je peux faire donner le... Mais par contre, c'est notre force de pouvoir le sortir tout de suite. Mais vraiment avec cette idée que la parole des écrivains, c'est pas la parole de la presse, c'est pas la parole journalistique, c'est pas la langue de la communication, c'est autre chose. Et voilà, en plus, quand Carole raconte dans quelles circonstances elle a... écrite, c'est... Et vous avez d'autres catastrophes sociales à nous annoncer? Oui. On va le prendre comme catastrophe sociale. Le cinquième texte, enfin celui donc, parmi les cinq que j'ai eu le temps de lire ces jours-ci, je préfère le présenter en disant, enfin vous avez tous en tête, je pense, 12 hommes en colère, hein, donc cette pièce de théâtre puis film. Christine Dachigné là. Donc d'un juré en fait qui en son âme et conscience se bat contre une pression sociale qui vient de très loin, mais qui a envahi le jury, donc les 11 autres, et qui lui se bat parce que il pense qu'il y a une possibilité d'innocence d'une part, et qu'il sent que il y a tout un social, en fait, un déterminisme social non écrit qui fait que le gamin, qui est un gamin pauvre, tout va se faire condamner parce qu'il n'y a pas de soutien derrière lui. Et bon, au passage, bon, si jamais vous n'avez pas vu ce film, parce que la pièce de théâtre se montre plus beaucoup, mais si vous n'avez pas vu le film, c'est un film à voir absolument. Car c'est vraiment un des trois meilleurs bouquins de négociation que j'ai jamais vu dans ma vie, puisque le type, il va convaincre 11 personnes de suite en utilisant à chaque fois des angles différents, en ayant compris ce qui les faisait bouger, etc. Donc là, c'est le contraire, en fait. C'est une jurée d'assises qui ne s'est pas battue, qui n'a pas pu se battre, dans une situation inverse, puisque c'était pour un coupable, et on parle de choses particulièrement atroces, qui sont sur viol, donc sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant. Là, pour le coup, bonne société, bien installée, y a un soutien social, malgré l'horreur du crime, qui est là, qui est présent, qui est en arrière-fond, qui se montre que quand c'est vraiment nécessaire, mais qui fait tout pour décourager les jurés, justement, de demander plus qu'un peu le strict minimum. Plus après, une partie de cette bonne société donc, qui s'arrange pour que les conséquences soient rapidement très minimes en fait, pour le coupable. Et bien entendu, ça veut dire que pour la victime, ça peut devenir encore plus terrible que ça ne l'était. Donc j'en dirai pas plus, parce que bon, la nouvelle, c'est pas non plus... C'est même institutionnel, de toute façon, puisqu'un meurtre, dans la session d'assises, il y a plusieurs meurtres dans le maximum, enfin il prend 10 ans. Et donc après, on nous dit, vous jugez un viol. C'est dans les textes, il ne peut pas prendre plus. Un viol, c'est moins grave qu'un meurtre, donc ça ne peut pas prendre plus de 10 ans. Déjà, on vous dit, bon, bah, c'est entre 5 et 10 d'entrée. Il n'y a pas de. Voilà. Non, mais ce n'est pas de la fiction, enfin, au sens où c'est le cadre institutionnel qui est le nôtre. On va arriver en juin, on dit, bon, bah, vous êtes juré d'assises, le minimum c'est 5 ans, donc, et puis après on dit, ah, mais non, mais parce qu'il y a eu des meurtres qui ont été jugés, qui ont pris que 10 ans, ce sera entre 5 et 10. Déjà, voilà. On perd une partie. C'est une grosse différence dans le système, d'ailleurs, par rapport au système américain, et c'est pas du tout pour faire une apologie du système américain, loin de moi cette intention, mais dans les débats américains, le juge ne participe pas en fait, au débat, hein, laisse les jurés se démerder, n'intervient qu'à la fin, alors que dans le système français, le juge en fait, peut conseiller, guider, et ne s'en prive pas bien souvent. Donc voilà, ça fait effectivement une différence quand le juge incarne une certaine solidarité de classe, disons-le, qu'ils ont des gros mots. Voilà. Le contraire aussi, peut-être. Mais... Voilà, donc c'était 5 textes, un tout petit échantillon. Est-ce qu'on peut expliquer comment on se les procure? Voilà, c'est ce que maintenant va faire l'homme de l'art, en fait. Je viens d'avoir une connexion Internet, donc... Je peux les traîner. Donc l'idée c'était... Il y a des codes, il y a une carte postale. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir un objet pour accéder...
au texte, parce que la question c'était les contenus. Enfin, nous, ce qui nous intéresse avec Paul quand on est parti sur le projet, c'est de défendre des contenus en se disant que le contenant c'était pas forcément la seule chose. Voilà. Alors on n'est pas, c'est numérique et papier, mais dans l'idée, on est parti sur l'idée que le poche de demain était remplacé par le numérique. Et donc une publication en première intention parce que c'est la possibilité à un plus large public de prendre le risque de découvrir une nouvelle voie. Là, la collection hors format où a publié Seb et Christine, et Carole, enfin on est à 99 centimes dans la version numérique. Pour 99 centimes, on peut prendre le risque de découvrir un écrivain qu'on n'a pas lu encore, parce que pour plein de raisons, on essaie de enfin. On a pas mal réfléchi à nos propres positions économiques. On n'a pas les moyens d'acheter tous les livres qu'on voudrait acheter, comme tout un chacun. Donc on fait des choix, et souvent on fait des choix économiques, ce qui est quand même triste. Donc voilà, alors parfois on se dit on va attendre que la version poche sorte, sauf qu'il y a plein de livres qui ne sortent pas en poche, parce qu'ils n'ont pas vendu assez et qu'ils ne sortiront pas en poche. Donc on passe à côté. Voilà, puis on les oublie, et puis parce que... c'est comme ça. Donc là, l'idée, c'était de proposer ces textes de littérature contemporaine exclusivement, auxquels on croit, en numérique, en première intention, pour que les gens puissent prendre le risque de découvrir un auteur. Alors, comme en plus, on met la biblio des auteurs, ça veut dire, je prends le risque pour 99 centimes, je découvre Carole, Sébastien, Christine, je me dis, tiens, et peut-être que j'ai envie d'aller lire ce qu'ils ont écrit par ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Après, pourquoi les cartes et les systèmes? C'était pour que ça puisse exister en librairie, parce qu'on croit beaucoup au rôle de médiateur des libraires, qui, en plus, on est dans un endroit, dans une librairie particulière, où tout le monde lit, défend des textes, on va voir ce qu'a fait Hugues pour chacun des textes. Donc c'est donner la possibilité de défendre, encore une fois, un contenu, et peu importe le contenant. Parce qu'on ne pense pas que le libraire est à être exclu de cette nouvelle chaîne du livre en train de se mettre en place. Voilà. Après, on a fait d'autres choix, c'est-à-dire que c'est des livres qui n'ont pas de DRM, donc les usagers, c'est-à-dire pas de verrou, donc les usagers ne perdent pas de droits avec le numérique. Les lecteurs, aujourd'hui, avec les verrous, en fait, un lecteur qui voudrait lire qu'en numérique perdrait des droits par rapport au livre papier. Il ne peut pas prêter son livre, il ne peut pas... l'offrir, il peut pas, voilà. Donc nous, on est vraiment parti sur ça. Et puis, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas que ce que nous publions, parce qu'on pense, d'abord, un, qu'on publiera jamais tout le monde, enfin, jamais, même pas tout ce qu'on aime, et qu'on n'arrête pas de découvrir, qu'on publiera jamais tous les textes de tout ce qu'on aime et qu'on commence à publier, qu'on ne pourra pas. Donc il y a plein d'autres éditeurs qui font ce travail-là, et on se reconnaît chez un certain nombre d'autres éditeurs. Donc voilà, Kidam est un bon exemple, et c'était l'idée de faire profiter de ce petit concept qu'on a mis en place à des éditeurs auxquels on croit, avec qui on s'entend. Du coup, comment ça marche pour que le c'est libraire, à dire pour le libraire, en fait, ça demande, c'était aussi la question des libraires, de la librairie, avec tous les problèmes qui sont les siens et qu'on connaît et qui reviennent régulièrement. Il y a eu plein de volonté d'aider les libraires en les poussant à créer des sites de vente en ligne, installer des bornes de téléchargement, enfin tout ça, des gros investissements, alors qu'on sait que la librairie indépendante a déjà des difficultés. Donc c'est de l'argent qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, les institutions n'ont de toute façon plus d'argent à leur donner, mais à leur prêter. Donc c'est-à-dire qu'en plus de la corde, ils peuvent se mettre plus qu'à mettre le flingue. Donc nous, quand on a essayé de penser ça, c'était un truc qui demande aucun investissement au libraire, aucune compétence particulière technique, parce que ça revient vers nous. Donc c'est un présentoir ou pas, une carte, un code à coller quand la personne paye. Donc en fait, on achète le livre au libraire qui vous donne le code. Ouais, exactement, c'est ça. La carte postale, on achète la carte postale. Il faudrait que tu fasses une petite simulation. Et après, on va sur le site. Et on choisit son format. Ouais. Sur la carte, derrière, il y a une petite case, en fait, où à la caisse, on colle le code, avec un petit sticker. Ouais, pour chaque livre. Et on peut l'avoir sur Pathé aussi. Ouais, alors donc à la demande. Non, on a réfléchi à ça, et en fait, c'était si on va dans la
si on va au bout de ce qu'on aimerait voir se mettre en place dans le temps, nous on adorerait que, un, que le livre numérique remplace le poche, et deux, que en tant que pour l'impression papier, on revienne à des peut-être des tirages plus limités, mais qu'on refasse des efforts sur la qualité des livres à publier. Voilà. Moi, parfois, ça me fout un peu les glandes de mettre 20 ou 22 euros ou 25 euros dans un bouquin et que 3 semaines ou 1 mois après, la couverture se détache du corps du livre. Ouais. Ça me fait chier. Et donc c'est voilà. Et puis, j'ai pas envie. Quand on s'est posé la question, voilà, on n'a pas envie d'envoyer dans la communauté européenne. Voilà. Enfin, à un moment donné, rester cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on essaie de défendre. Donc, voilà. Quand on publie des écrivains qui prennent le risque d'une parole, d'un engagement, on va pas derrière aller faire imprimer dans des pays où les gars qui vont faire ça seront pas respectés, pas, ben, bref, pour pouvoir proposer des livres pas chers. Enfin, donc, voilà. Enfin, donc on a donc c'est, l'idée, c'est plutôt d'aller vers de la série limitée. D'un objet. Et un petit détail, enfin, en tout cas pour les rencontres en librairie, parce que c'est vrai que ça dépend bien sûr des personnes, mais souvent les gens aiment bien matérialiser le souvenir en fait d'une rencontre avec un auteur par simplement la dédicace. Sur un livre numérique, ça reste un peu compliqué. Alors, signer la carte postale. Alors que la carte postale le permet. Il faut dire que le travail sur les couves est génial. C'est vraiment là qu'on les voit tous ensemble. Des choses qui font pas du tout honte et qu'on peut donc signer. Se faire un classeur pour les collectionner, parce que là pour l'instant il y en a 19, mais un jour il y en aura 200. On a la chance de travailler avec un graphiste qui lit tous les livres. Différentes équipes. Est-ce que du coup vous faites un travail de promotion aussi? Est-ce que vous envoyez les textes à la presse ou... Ouais. Ouais, alors après là où c'est assez drôle pour la question de la. Moi j'attends encore de voir un journaliste faire un papier sur un livre prioritairement publié en numérique. À 99 centimes. Ouais. Non mais j'attends, ça va arriver. Mais c'est pas encore arrivé. Et pourquoi ce choix de 99 centimes? Parce que c'est quand même pour des textes de 30 pages, tu peux Pourquoi tu peux monter un peu plus. Je sais pas, Librio, c'est... Non, mais c'est proportionnel, il y a des tarifs par rapport au nombre de pages quand on est en numérique. Oui, pour des textes plus importants, on sera un peu plus haut, mais de toute façon, c'est une pratique de prix basse. Enfin, je sais pas, quand un gros éditeur aujourd'hui sort un livre numérisé à la Va comme je te pousse avec des DRM partout et que la version PDF est plus chère que le livre de poche, je trouve ça, c'est juste du vol. Voilà. Donc, ça ne coûte pas rien de faire des livres numériques. Mais ça coûte quand même moins que de... Oui, après, il y a les droits d'auteur. Ouais, mais c'est vrai, ça. Parce que je veux dire, je sais pas, mais des gens qui peuvent acheter le livre de Sébastien, je leur dis 3 euros, enfin, ils vont pas forcément trouver que c'est un scandale. Non, mais alors après, si on part à 3 euros sur les nouvelles, on est à combien sur les romans? Et là, je pense qu'on dépasse un... Je pense que c'est des nouvelles à l'unité. Parce que les gens sur les romans, ils sont tous à 15 euros minimum, des fois. Enfin, des ouais, alors nous, sur la version numérique, on sera en dessous de 7. Voilà. La barre qu'on s'est fixée, c'est en dessous de 7 euros. Et un gros effort sur le pourcentage pour l'auteur. Hein, oui. Vous parlez de ça aussi. Parce et que... du coup, vous négociez des contrats avec les éditeurs, enfin avec les auteurs? Oui. Je prends mon cas, on a vraiment vu ça même ensemble. Moi, j'ai mis en contact avec quelqu'un, la personne qui est au service juridique à la SGDL, pour vraiment que le contrat. Oui, t'avais peur de te faire avoir. Non, c'est ta faute. Comme ce que tu dis, je vais pas aller signer un truc qui est défavorable aux auteurs alors que je suis censée un peu représenter ça. C'est la première chose. Et puis, Franck-Olivier m'avait d'emblée dit que leur souci, c'était justement d'être bien avec les auteurs. Que ce soit une proposition qui tient la route et qui n'est pas d'arnaque. Quoi. Donc après, il peut y avoir, on tâtonne parce qu'on est tous, c'est nouveau. Voilà, c'est, là, il faut le réinventer. Il y a un truc à inventer, donc il faut qu'on l'invente ensemble. Voilà, aujourd'hui, c'est des avenants. Voilà. Moi, je pense que l'évolution, c'est pas ça. Voilà, mais ça, il faut qu'on l'invente. Il y a une grosse volonté d'inédit, ou pourcentage ou... De notre part oui. Ah ouais. c'est aussi la possibilité, pourquoi pas pour des livres, parce qu'il y a aussi la question de la durée de vie d'un livre papier. Oui. Le livre épuisé, ça peut être aussi... Ça va vite, hein, si la presse n'est pas là tout de suite. Le pilon, la version numérique ne craint pas le pilon. Donc nous, on est aussi sur un... La panne de courant. La panne de courant. Pas le pilon, mais la panne de courant. Mais...
Mais on est, c'est aussi avoir d'autant. C'est aussi avoir d'autant de vie pour un même titre. Parce que un mois et demi, c'est quand même super court, quoi, grosso modo. Voilà. Si la presse n'est pas là tout de suite, et si les gens ne se bougent pas tout de suite, et s'ils n'ont pas d'autres priorités dans leurs achats, ben. Et est-ce que vous avez eu de la presse, justement de la presse traditionnelle? Point encore. Oui, ou ailleurs. Et les blogs, ça réagit. Les blogs, ça réagit. Ouais. Alors après, comme on a fait paraître pas mal de trucs en même temps, et voilà, ça arrive. Le temps de tout lire, tout ça. Mais du coup, est-ce que vous faites comme un service de presse? Ah oui, oui. Ouais. Ouais, on propose service de presse, bien sûr. On peut avoir le code? Ouais. Exactement. Exactement. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, pour cette collection-là, que, je sais pas, au bout d'un an, il y a un livre papier, mais éventuellement numérique aussi, qui rassemble tous les textes qui ont été publiés? C'est une réflexion, ouais. C'est une réflexion. Chaque année, tu vois. Ouais, c'est une réflexion qu'on a. On se demandait une fois par an ou deux fois par an. Oui. Parce que dans la collection hors format, c'est l'idée, deux textes par mois. Donc ça va vite, c'est beaucoup. Donc voilà, au bout de 6 mois, ça en fait déjà 12. Donc voilà. Donc ouais, ça c'est une réflexion. Pourquoi pas, dans ces cas-là, quasiment une revue. Ouais. Avec hors format 1, hors format 2. Ouais. Pourquoi pas. Mais même dans la collection hors format, ils sortiront tous en A6. Voilà, en format papier A6. Voilà, mais dans un deuxième temps, parce que ça permet d'avoir deux fois de revenir sur le même texte. Donc finalement, la version numérique devient une espèce de teaser intelligent. On parle du bouquin, tu peux prendre le risque de le télécharger, le bouquin papier arrive. Voilà, quelque part, tu en as entendu déjà parler. Voilà, il y a une petite chance que. Mais est-ce que vous avez une démarche où vous allez solliciter des auteurs ou les auteurs viennent vous voir du coup Un peu des deux. C'est là, et en ce moment. C'est-à-dire qu'on essaie de faire plus poulpe que qu'on est et on n'y arrive pas. Donc on n'en parle pas autour de nous, c'est ça? Non mais si, mais alors mais en disant. Je me suis posé la question. Ils vont commencer à devenir un peu longs. La lecture des manuscrits. Il y a la pile des livres à lire et puis et là la pile des manuscrits elle commence à. Et vous êtes combien? On est 4. Donc vous n'avez pas besoin de presse? Ne lui réponds pas, c'est un provocateur. Ne lui réponds pas. Ce soir il y a 4 auteurs qui sont présents, donc n'hésitez pas à leur faire signer des cartes, des livres, des livres papier ou des cartes numériques. On est ravis d'expérimenter, donc ça correspond à des choses qu'on avait envie de faire. Et donc, merci beaucoup d'être venu se prêter à ce jeu. Merci à toi, Sébastien. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous servir et à continuer à poser toutes les questions que vous voulez à l'éditeur, aux auteurs, l'éditeur qui est également auteur. Enfin, donc, ce soir exceptionnellement, c'est lui qui va répondre. Sur les papiers, des articles, Hugues a fait donc 5 notes. Ouais. C'est, je disais en blaguant, mais c'est pas une blague, c'est historique, un libraire physique qui fait 5 notes sur 5 textes. Le problème, c'est que les critiques de Hugues sont sous DRM.